J'ai été inspiré par la façon de mon père de gérer son propre commerce. Vous savez, il m'a donné des exemples incroyables. Je me souviens que à la table, quand on prenait le repas le soir, j'ai jamais entendu mon père dire, parce que lui, il fournissait les électriciens, c'était un grossiste dans les produits qui servaient à l'électricité. Et puis, je l'ai jamais entendu dire, moi, j'avais acheté un rouleau de fil de 20 piastres, puis, waouh, je l'ai vendu 200 piastres. Jamais il parlait de ça. Quand il parlait de son commerce, c'est quand il avait engagé une famille, il appelait ça comme ça. Il disait à un moment, « Hey, aujourd'hui, j'ai engagé une famille de 5. » Il voulait dire qu'il avait engagé un père de famille de 5 enfants avec son épouse. Puis ça, c'était sa plus grande gloire. Il était content d'avoir créé de l'emploi puis d'aider une famille à vivre. Or, un jour, quand il recevait la facture, parce qu'il avait dit à un bonhomme qui était venu quêter, le monsieur lui avait demandé, « Pouvez-vous payer mon lait? » Bon, ben, il dit, « Oui, c'est correct. Dis-le à ton laitier de m'envoyer la facture. » Mais après quelques mois, il avait du beurre. Après ça, des œufs. Ouh! Que là, à un moment donné, mon père l'appelle, puis il dit, « Je veux te voir, là. » Il dit, « Viens me voir au bureau. » Il dit, « Moi aussi, j'ai une famille, là. Hein? Puis, je veux bien aider la tienne, mais t'exagères un peu, là. Je vais arrêter là, là. Prends plus d'autre chose. Hein? » Alors, il dit, « Correct. » Mais en sortant du magasin, mon papa était au deuxième étage, il descend l'escalier, puis il y avait des grille-pains qui étaient là. Et le quêteux, il prend un grille-pain, puis il cache ça dans son manteau, puis il sort. Mais il y avait un policier qui était sur l'avenue du parc, où était le magasin, qui arrête le bonhomme, mais au lieu de remonter dans le magasin, il l'amène au poste pour ouvrir le dossier, puis c'était là. Puis il se présente à la maison le soir. On était en train de souper, ça sonne à la porte. Je regarde, un policier, je me lève, je ne sais pas quel âge je peux avoir là. 7-8 ans, je ne sais pas. Alors, j'étais à côté de papa, puis le policier, il dit, « Connaissez-vous cet homme-là? » Alors, papa, il dit, « Oui. » Ben, il dit, « Cet après-midi, il vous a volé un grille-pain. » Puis là, le policier sort le grille, il dit, « C'est vos grille-pains, ça? » »« Oui, oui, c'est vrai. » Ouais. Alors, il dit, « Voulez-vous signer une plainte? » Puis là, je vois papa qui réfléchit, puis il dit, « Non, 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 il dit, il y a un malentendu, j'y avais donné. » Ah, le policier, il dit, « Ah oui? » Que là, le quêteux, qui se retourne au quêteux, « Pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Ah, ben, le quêteux, il dit, « J'étais tellement énervé. » Alors, il dit à mon père, « Ben, signez ici, comme quoi il n'y a pas de plainte, puis on s'en va. » Mais là, il dit au quêteux, « Reste ici. » Là, il a servi une leçon verbale, puis il a dit, « Ben, tout ce que je te donne, là, c'est fini. C'est fini. » J'ai fait ça parce que si j'avais signé pour une plainte, ça aurait été pire, parce que tu aurais fait de la prison. Puis ça, je voulais pas ça, ta famille aurait souffert. Mais là, tu vas t'arranger pour le lait, puis les œufs, puis tu vas t'arranger. Salut! Puis là, il l'a mis dehors. Non, mais je vous dis que ces exemples-là, ça vous marque. Hein? Ça vous marque. Alors, pour revenir au gestionnaire d'une entreprise, je pense qu'il doit penser non seulement que la compagnie lui rapporte beaucoup, mais s'assurer que ça rapporte aux autres aussi, et qu'il crée de l'emploi, qu'il crée de la richesse, puis qu'il sait la partager, cette richesse-là. C'est comme ça qu'on va créer un monde meilleur.